beaucoup les filles. Bah, écoutez, aujourd'hui je vous retrouve, comme le titre l'indique, pour un haul action. Effectivement, je reviens du magasin action et j'ai trouvé des choses très intéressantes. Donc je voulais tout de suite vous en faire part parce que c'est des choses en fait qu'on paye en général trop cher. Et en fait, mon exclusivité c'est ces petites choses là. Ce sont en fait les tiroirs, vous savez, les doubles tiroirs qui coûtent hyper cher dans les Carrefour, Leclerc, etc. Et que j'ai trouvé chez Action pour 2,99€. Je revérifie, mais en gros, voilà, c'est 2,99€. Donc moi, j'en ai pris 3. Les dimensions, c'est 10 par 18 par 9. Donc voilà quoi. Donc j'ai trouvé que c'était super abordable par rapport aux autres magasins. Donc c'était en gros l'article que je voulais absolument vous montrer dans ce haul. Parce que pour 2,99€, du coup, on peut se lâcher quoi et avoir quelque chose de très bien agencé. Si vous voulez, je vous l'ouvre. Donc, j'en prends un qui est ouvert. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci, hein, voyez. Et par rapport aux autres, ils sont un tout petit peu plus petits. Par rapport à ceux que je vous ai montré déjà, je vous mettrai la fiche là, quoi, en gros. Mais tout aussi pratique. Donc voilà, en gros, pour le prix, j'en ai pris 3 quoi. C'est vraiment le type de choses dans lequel on voit clairement ce qui est exposé à l'intérieur. Et pour autant que ce soit rangé, ça fait quand même un petit peu plus propre. Donc voilà, et je pense que ce sont des références qui seront permanentes. Donc du coup, je pense que je vais agencer ma bibliothèque de telle sorte à pouvoir accueillir ces tiroirs-là. Voilà, alors ça c'était vraiment pour la chose la plus intéressante que je voulais vous montrer. Maintenant, à passer au haul un petit peu plus traditionnel, on va dire. Donc j'ai pris 2 écharpes tubes. Donc une bleue, voyez, un petit peu avec des motifs un peu pois. Il y a du pois, il y a un peu de zébré, voilà. Ma mère avait la même, mais en fait, là, je viens de trouver en gros exactement la même qu'elle. Sauf que moi, elle est en tube. Elle n'est pas en tube, en fait. Elle est d'un simple tirant. Et en fait, je les ai payées 2,99€ chacune. Et là, c'est un gris mélangé un peu ocre et rose fuchsia. Je porte pas extrêmement de rose ni de ocre, mais je sais pas, je l'ai trouvé sympatoche. Donc du coup, pour le prix, franchement, quand tu vois que dans n'importe quel magasin de fringues, tu te retrouves avec justement bah, des choses à 12€ pour une écharpe, c'est abusé quoi. Donc voilà, je me suis pris ça. Ensuite, j'ai pris des conserves pour biscottes. Alors, conserve pour biscottes. Mais pour moi, c'est pas une conserve pour biscottes. C'est juste cette petite boîte-là. Voilà, toute mignonne qui a ici, en fait, rose avec une petite étoile grise. Voilà, donc j'ai rangé plein de choses à l'intérieur. Donc voilà, en fait, elle était à 1,39€. Je trouvais que c'était pas cher. Donc ouais, c'est juste pour mettre des spaghettis pour moi, mais bon, après je verrai ce que j'y rangerai à l'intérieur. Je pense y ranger mes tubes rouleurs, enfin mes tubes, c'est des tubes en plastique pour faire les boucles sans chaleur, donc je pense y ranger ça à l'intérieur. Ensuite, bouquet de roses déco. Alors, j'en ai pris 2. C'est ces bouquets-là. Je trouve sympa. Il y en avait de différentes sortes. Alors, il y en avait avec une rose rose au milieu. Ensuite, une ou deux blanches et des un peu vertes. Avec des couleurs vertes. Donc, j'ai pas apprécié la couleur verdâtre. J'ai préféré prendre plus de roses et retirer le vert. Donc, voilà, elles sont plus blanches. Pour aller dans le logia, ça ira très bien. Ou ailleurs, d'ailleurs, hein, parce que dans la chambre, tout l'agencement n'est pas terminé. Donc voilà, il me manque en fait une console pour aller sous ma fenêtre sur laquelle je poserai en fait des bougeoirs, enfin vraiment une déco de chambre super quoi. Voilà, c'est ce qui me manquait, donc ben, elles n'étaient pas trop chères. Le bouquet était à 2,79€, donc j'en ai pris 2 et je verrai bien. Je trouve que ça est gay et puis c'est pas très très cher. Donc voilà pour les bouquets. Ensuite j'ai pris, alors ça aussi c'est une nouveauté, donc je vais vous montrer, excusez-moi pour... le tremblement. Donc ça aussi c'est une nouveauté. Donc c'est un coffret à bijoux. Alors bon là il est sale, mais j'ai pris le moins dégueulasse en fait
de tout ce qu'il y avait dans le magasin, quoi. Donc, il est dégueulasse en dessous, vous voyez, mais bon, je pense qu'en le nettoyant, je sais pas si vous verrez, mais là, c'est pas très propre. Et donc, make-up makes you beautiful. Voilà. Parce que moi, je suis une fan de make-up, mais il y a aussi les bijoux, je sais pas quoi. Et en fait, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez à l'intérieur. C'est un peu en velours, avec trois compartiments. Et en fait, c'est un miroir qui vient se caler sur le... comment dire... dans la boîte. Bon, là, vous verrez tous mes éclairages, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai un parapluie. Normalement, j'en ai deux, mais il y en a un dans la chambre. Et là, c'est mon LED ring. Donc voilà. Et donc, on peut le refermer comme ceci. Ah, je me croise les doigts. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, j'ai trouvé la boîte super. Alors je sais pas encore où je vais la ranger, mais elle déchire, franchement elle est trop bien. Donc, et elle était pas chère. Je vous donne le prix tout de suite. Il était à 4,98€. Voilà, pour ce petit truc là. Donc ouais, je l'ai trouvé sympatoche. Donc du coup, voilà quoi. Chez Action en général, c'est le magasin où faut pas que j'aille. Parce qu'en fait chez Action j'y vais toutes les semaines. Et ça fait mal au porte-monnaie. Donc voilà quoi. Maintenant que vous savez tout. Maintenant, je me suis pris des fossiles bourgeois. Donc, parce qu'ils étaient à 1,49€. La paire, quoi. Donc, je me suis pris le More Volume. Donc, je vous avance un petit peu pour que vous voyez. Donc, c'est plus fin à l'intérieur, plus épais à l'extérieur. Voilà. Donc, ils disent déposer un filet de colle à la base de la frange des fossiles. Patientez 10 à 15 secondes jusqu'à ce que la colle change légèrement de couleur et devienne collante. Positionnez les fossiles au doigt ou à l'aide d'un applicateur pince au plus près de la racine des vrais cils. Pressez au milieu de l'œil vers les coins pour une fixation parfaite. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris la gamme, enfin le Smoky Eyes. Donc ça c'est vraiment pour des cils qui partent, qui se croisent en fait. Il y a deux rangées de cils. Il y a des cils du bas qui se croisent et d'autres cils par-dessus qui viennent étoffer. Et la troisième sorte, en fait, c'est le Rock Chic. Donc le Rock Chic, c'est vraiment dramatique. C'est sur le côté, vraiment beaucoup de cils sur le côté et très intense. Voilà, donc en fait, c'était 1,49€ la boîte. Donc vu que j'ai envie un peu de vous montrer... de vous faire une revue avec ces trucs là et comment on les pose. On va bien rigoler parce que moi j'en mets pas d'habitude. Donc je pense que en test, crash test, ça va être rigolo. On va bien rigoler. Et ça se trouve j'y arriverai pas hein. Donc la vidéo elle va être flop hein. Mais on verra bien. Ensuite je me suis pris. Alors ça c'est une petite chose que j'ai sniffé. Donc je vous ferai une revue avec les cosmétos qu'il faut, enfin les ingrédients dans les cosmétos qu'il faut éviter. Hein, ça c'est prévu. Mais j'ai trouvé en fait un gel de douche en mousse. Mais vu que je vous avais fait des produits finis, je vous avais dit que en mousse j'aimais pas pour le visage. Là je vais voir si j'aime pour le corps. Il sent plutôt pas mal. Ah ouais, ça a un petit goût fruité. Là c'est rafraîchissant. Et ils disent que... ça donne à votre peau le matin, l'appel du matin en fait, un coup de boost quoi. Donc avec l'effet rafraîchissant, ça vous booste un peu le matin. Donc en gros, j'ai regardé un petit peu et les seuls vraiment ingrédients allergéniques, ce serait tout ce qui est alcool, linalol, citronellol, enfin tout ce qui est parfum en fait. Mais sinon, il n'y a pas de méthyl, isothiazolinone, et il n'y a pas... Bon, à part le sodium lauryl sulfate, bon, il n'y a pas de choses qui seraient très allergisantes. Il n'y a pas de parabènes non plus, même si, bon, les parabènes, c'est mieux que le méthyl. Mais bon, donc, je testerai, je vous dirai. Hein. Ça ira certainement, surtout, je vais kiffer, surtout l'été. Ouais, je pense que je vais le garder pour cet été, peut-être quand on a chaud et ça rafraîchit, peut-être, je sais pas. De toute façon, je pense qu'ils seront dans la gamme permanente. Il y en avait deux autres, mais je trouvais qu'ils puaient. Donc, j'ai pris plutôt celui-là qui est plutôt réconfortant, etc. Ensuite, j'ai pris des sneakers à la noisette. On en a déjà testé avec Balou. Voilà. Et ils sont super bons. Parce que les sneakers, normalement, c'est aux amandes, si je ne me trompe pas. Et là, ils sont à la noisette. Et ils sont très bons. Voilà.
Ensuite, donc ils étaient à 1,39€ le paquet et il y en a 4 à l'intérieur. C'est une série limitée. Alors attention, moi j'ai eu la série limitée. Ensuite j'ai pris du savon Dettol. Donc effectivement, pour garder en fait, pour économiser on va dire, j'achète du savon en fait liquide que je remets dans la cartouche Dettol dans mon distributeur, dans la salle de bain. Et en fait j'avais pris du savon lambda, je veux dire acheté chez Lidl en gros bidon, enfin en bidon refermable de 1 litre. Et donc je le trouve un peu liquide. Donc vu que celui-ci était pas cher, la recharge de 200 ml elle était à 0,99€. Je l'ai acheté quoi. Et j'en ai acheté 3 des comme ça. Donc comme ça j'ai vu que l'eau je le trouve très liquide et du coup il faut deux pressions. Enfin deux... Oui, de pression pour bien se laver les mains. Je me suis dit que au final j'avais payé moins cher mais que c'était peut-être moins efficace. Et puis Dettol c'est quand même censé être antibactérien, donc voilà. Ensuite j'ai pris une housse pour mon iPad. Parce que j'en ai acheté une chez Nose il y a quelques temps, mais en fait elle va pas du tout pour les iPads en fait. Donc là c'est pour l'iPad 2, 3 et 4. Et moi je crois que j'ai l'iPad. Pas de deux. Bon, au pire, c'est pas grave. Il y a des brocantes dans pas longtemps. Donc, je le remettrai en vente. Au pire, c'est pas grave. Et je l'ai payé 6,99€. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai repris... Enfin, non, j'ai pas repris du tout, d'ailleurs. N'importe quoi, ma fille. J'ai pris un bol à soupe. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Un bol à soupe. Donc, j'en ai pris deux. Mais en fait, c'est pas vraiment des bols à soupe, en fait. C'est parce que moi, j'aime pas les bolinettes pour le thé, mais j'aime bien les gros bols pour mettre les infusions, les thés, etc. Donc, c'est le « Enjoy these moments, they don't last forever ». This means that donc vous devez profiter de la vie parce qu'il ne dure pas éternellement. Voilà le message que ça veut donner. Je le trouve joli et puis super grand. Pour le prix, des grands comme ça, pour le prix, en général, ils sont chers. Donc en fait je les ai payés 0,99 l'unité hein, mais je crois beaucoup que sur YouTube elles ont toutes acheté ces trucs là. Ensuite eh ben, j'ai pris le sucrier et le pot à lait qui va en même temps sur un set. J'ai trouvé ça super en fait quand je prends le thé avec une copine ou avec ma mère qui veut un café, vu qu'elle prend aussi des gros bols pour le café, elle adore ça. Donc je pense que le lait et le sucre je les mettrai là-dedans et je ferai avec un plateau un seul trajet. Parce que vous savez les trajets avec, avec ma mère c'est... T'as pas du sucre? Bah non, parce que toi t'as des sucrètes. Ah oui mais attends j'en ai à la maison. Ah oui parce que j'ai pas mon sac. Bon bah c'est tout, allez je vais te chercher les sucrètes. Puis en fait t'as pas du lait, donc machin, donc je mets voilà des allers-retours, ça m'évite. Ah après, donc... Le sucrier était à 2,59 en fait, le lot des deux était à 2,59. Donc voilà, j'ai pris aussi, bah, du coup pour aller avec, et ça, je fais tanguer la caméra, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. J'ai pris deux repos sachets pour thé, voilà, qui vont avec justement ce petit set là, comme ça du coup, sera sympa, j'aurai vraiment tout sur le plateau. Et en fait ensuite j'ai pris bah, trois paniers de rangement comme ça. Alors ce qui est bien, c'est que vous rabattez les deux anses. Et ils sont superposables. Alors j'ai trouvé ça super parce que je sais pas si ça vous fait la même, mais personnellement, mon meuble de salle de bain, les étagères entre eux, alors j'ai le bas, une étagère, ensuite j'ai une deuxième étagère sur laquelle j'ai mon tiroir, et ensuite une autre étagère, mais bon les deux... du haut, elles sont relativement serrées, donc du coup je peux mettre mes produits sans problème. Mais ceux du bas, en fait, ils ont une hauteur impressionnante et du coup, ça perd vachement de place. Donc, pour pallier à ça, il y en a trois hein, dans le coffret. On va dire, c'est des lots de trois. Et ça coûte 3,19€. Donc, les mensurations, c'est 30 par 20, par 20,3, pardon, par 11. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour empiler dans le meuble à salle de bain. Pour éviter de perdre trop de place parce que moi j'ai un backup impressionnant donc au final les produits on va dire backup je suis obligée de les entasser comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, là ça sera plus entassé mais bien rangé. Ensuite j'ai pris un masque de sommeil, alors je sais pas où il est,
Voilà. Parce que celui que je vous ai présenté la dernière fois, ben en fait, il est... Donc je sais pourquoi je l'ai acheté, je me rappelle. C'est parce que le matin, en fait, quand Hugo me réveille à 7h pour la tétée et que donc je peux redormir une ou deux heures jusqu'à ce qu'il se re-réveille, il fait déjà jour, donc je me mets ça, comme ça, je peux redormir. Voilà, en gros, c'était pour ça. Et le soir, quand il pleure, il veut la lumière dans le couloir, donc comme ça, je peux dormir. Parce que je me couche, en général, vers 9h, 9h30, quand je suis claquée, quoi. Quand je n'ai pas de montage à faire, parce que des fois, c'est 2h du matin, avec les montages. Et quelquefois, je ne dors pas de la nuit pour faire les montages. Donc voilà. Et ça, en fait, ça, c'est opaque, tout simplement. Alors que l'autre, l'est pas, il est rose, et donc la lumière filtre. Donc voilà, et je l'ai payé 0,75 €. C'est sûr que si je l'avais payé plus, je ne l'aurais pas acheté. Et ensuite, bah, j'ai pris pour ranger mes tiroirs, donc des paniers de rangement. Donc de la même manière que les autres paniers que j'avais pris à 2,50 € l'unité, mais là, là, ils étaient à 55 € les trois. Donc j'allais pas repayer 2,50 € pour les mêmes tiroirs, enfin... Pour les mêmes ranges tiroirs que voilà quoi, je suis pas bête, mais c'est tout. J'aurais différentes sortes dans les tiroirs, mais bon, je vais pas me ruiner alors que là il coûte rien quoi. Donc j'en ai pris 6, comme ça vraiment ça rangera dans mes tiroirs exactement ce que je veux à la place que je veux. Donc les mensurations pour les 3 pièces, donc c'est 20 x 10 x 5, donc 5, 20 et 10 de hauteur. Je pense, non, 5, ouais, 5 de hauteur, 10 de largeur et 20 de longueur. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça, hein. Ouais, je crois. Donc voilà, et elles étaient à 55 €. Donc j'en ai pris 6, ça m'a fait 3,30 € pour... Ah, j'aime pas, ça fait bouger la caméra. Voilà, en gros, j'ai tout ça pour ranger mes cosmétos, quoi. Et j'ai payé ça 3,30 €. Une blague, une blague. Donc voilà, ce haul est terminé. Wouh! Parce qu'il y a Balou derrière qui me dit tu sais quoi, faut aller bouffer quand même. Donc bon, parce qu'il y a ma mère qui est venue, qui est là quoi. Et tous les mercredis en fait, bah, je vous raconte un peu ma vie. Tous les mercredis en gros, elle vient à la maison et on se fait un resto le soir. Donc là il est 8h-20 et il est l'heure de se retrouver pour aller manger. Donc c'est pour ça que de temps en temps sur Instagram vous avez des vidéos de nos assiettes ou alors on fait chin et voilà quoi. Et mon fils a dû tomber. Ce qui pleure. Donc je vous fais de gros bisous. La vie est belle en rose. Profitez-en bien mais pas trop. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.